Hey, allô là, tous mes amis, c'est Valentin et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode du Let's Play sur Kirby Star Allié. Et oui, enfin, on se retrouve pour ce nouveau Let's Play. Comme je l'avais dit, on va faire un Let's Play sur Kirby Star Allié. Et je suis ultra impatient de découvrir ce jeu. Parce que moi, sincèrement, je suis plus qu'hypé. Parce que je l'avais annoncé que j'avais fait un let's play sur Kirby Star Allié. Mais je sais pas encore pourquoi. Et ça y est, nous débutons enfin dès maintenant. Le dimanche 7 octobre. Malheureusement, ça fait longtemps que je joue. J'ai pas pu eu encore l'occasion de faire le let's play. Donc je suis désolé. Et voilà, on va enfin découvrir ce jeu, mes amis, ensemble. Ah. Ok, il y a trois fichiers, d'accord. Une mise à jour est disponible. Kirby Star Allié a été mise à jour, amusez-vous bien avec le nouveau contenu. Oh! Rick, Ken et Co. Quatrième de choc. Ah, ok. Ah, ils montent les personnages de la mise à jour. De Kirby Superstar, il a trouvé un boss de fin en renfort incroyable. Ah, ils montent tous les trucs. Goey. Goey de Kirby Dream Land 3 vient faire coucou. Quel drôle de numéro. Adeline et Ribbon. De Kirby 64, The Crystal Shard, sont de retour à vos pinceaux. Dark Meta Knight. De Kirby et le labyrinthe des miroirs, quel mystère. Ah, il y en a plein par contre. Death Roche, le voleur virtuose de Kirby, les souris attaquent, est arrivé, cachez vos objets de valeur. Bah, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Nous avons une raie. Il y a maintenant 9. Maintenant, 9 amis de rêve faire appel à eux. Ok, dans le mode histoire. Un nouveau tableau commémoratif a été joué. Ça en fait 12 en tout. Arrivez-vous à tous se reconstituer. Ok. Bah, du coup, mes amis, on va faire le mode histoire évidemment parce qu'on est là pour faire ce let's play. Et du coup, on va découvrir ce qui se passe dans cette aventure Kirby. Donc, que va-t-il se passer, mes amis? C'est la grande question. Quelle nouvelle histoire va-t-il se passer? Alors évidemment, c'est le tout premier jeu Kirby auquel je joue, donc je connais pas les personnages, hein, je vous le dis. Ouais, il fait quoi? Oh, le cœur sombre, on va dire. Il se fait... Wow. Oh, c'est trop beau. C'est tellement beau. Ouais, il y a des sortes de météorites ombres. Oh, bah, il y a Meta Knight. Ah, le roi de Bidou. Oh là. Oh, ils sont touchés par le cœur d'ombre. Non, il va y toucher, je suis sûr. Ouais, voilà, évidemment, il a touché. Oh, notre Kirby, il est là. Regardez comment il est trop beau. Et lui, Kirby, il touche un cœur avec l'amitié, évidemment. Il est trop beau. Eh, s'il est trop beau, dites-moi, sincèrement, parce que moi, je trouve, franchement, je veux dire, c'est vraiment trop beau. Je vous dis, c'est beaucoup trop beau. C'est impressionnant. Havre de paix, Dreamland. Ok, ben, bah, let's go. Je sais pas si... Ok, il y a une carte. Alors. Hop. Ok. Non. Je fouille un peu partout. Ok. Attends, il y a des petites étoiles que j'ai envie de prendre dès maintenant. Comme ça, moi, je serai tranquille. Alors, pour les épisodes de Kirby Star Allié, je pense faire des épisodes de 25 à 30 minutes. Après, tout dépend de ce que je vais faire durant l'épisode. Après, tout, voilà, tout dépend de ce que je vais faire durant l'épisode. Mais du coup, c'est parti, mes amis, pour le premier niveau. Alors, ok. Ok, non. Les astuces. Ah zut. Oh stylé, on est le Kirby comme dans... On est Kirby Link en gros, mais c'est Kirby épée. C'est plutôt bien je trouve. Qu'y a-t-il? Oh! Panique pas, panique pas. X, faire quoi?
Ah, c'est le cœur d'amitié comme on avait vu dans la démo. Les cœurs amis, faites-vous des amis grâce au cœur ami. Et évidemment. Ok, ben on peut. Ok. Alors, n'oubliez pas, mes amis, que j'avais fait la démo de Kirby Star Allié en mars, je crois, je sais plus. Ok, il nous montre tout ce qu'il faut faire. Ben, j'ai fait un truc un peu bête. C'est tellement bien pour ça. C'est tellement bien. J'adore le jeu pour l'instant. Alors évidemment, la question du jour, mes amis, se trouvera en commentaire, donc vous pourrez y répondre. Hein. Who's that? Ah, ok. Faites élevé. On a bébé Poppy. C'est quoi ça? Ah, la pyro épée! C'est trop bien ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, attends. Ah, il y a une pièce. Je sais pas si vous l'avez vu, elle est là. Bon, on va essayer de pas perdre trop de temps, mes amis, pour qu'on fait quand même un max de niveau dans ce premier épisode. Comme ça, on pourra, on va dire, avancer progressivement, on va dire. On va juste attendre. Ah, il y a encore. Encore plein de trucs ici. On va les retirer. On retire lui parce qu'on l'a déjà en fait. Oula, il y a un frigo. Je sais pas si c'est type électrique lui. Ok, on a le truc de glace. On va le donner. On va hop, retirer Léo la flamme. Alors ça sort bien, je trouve, mes amis, pour ce prom. Vas-y, gèle-moi tout ça. Merci. Oh, une pièce spéciale, je sais pas trop à quoi elle sert. Mais elle est spéciale de ce que je viens de voir. Eh, venez les amis. Wow, tous les trucs qu'on a. Eh, on a 13 vies déjà. Ah, bah, le premier niveau est fini, mes amis. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que là, on va bien avancer, je trouve. Jeu de fin d'étape. Ouais, c'est. Oh! Mes amis! Pour ce premier niveau, nous avons fait le rang parfait. Ouais, ça fait comme dans. Ouais! Oh, c'est trop bien ça. Alors là, on commence trop bien, mes amis. Sincèrement. Que dire de mieux? Ok, c'est un tableau du coup. Ce serait un tableau pour. Alors, du coup. Ah, ok, c'est des pièces pour. C'est des pièces comme on le voit au centre du tableau en fait, d'accord.
Alors, on va où ensuite? Ok, on va au-dessus, donc au coupole chocolat. Ok. Allez, on va du coup aller là maintenant. Let's go, mes amis, on est qu'à 10 minutes, hein. On va pas s'en arrêter là, il faut qu'on fasse des niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a un truc en haut. On va retirer lui. C'est jet d'eau. Ah mince. Ok. On continue, mes amis. C'est vrai que je parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut que je reste quand même concentré par rapport à tout ça. Après, sincèrement, j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette série, hein. N'hésite pas à me dire, hein, parce que c'est important. On s'en sort bien, je trouve. On s'en sort bien. Ah bah, Coquerel, on pouvait la voir. Oh, stylé! Voilà. On s'en sort bien, je trouve, mes amis, pour ce deuxième niveau. J'étais un peu trop vite, mais c'est le. Ah, il y a une porte secrète. On va y aller. On va aller voir ce qu'il y a en dedans. Qu'est-ce qu'il y a-t-il en dedans? Attends. Ah, j'ai plus de truc de glace. On va tirer contre lui. Ah mince, on en a deux. Je suis un peu bête. Allez, on continue. Bon, c'était pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Alors. Oh, c'est tellement stylé. On a encore une pièce spéciale, bon, on l'a pris, c'est plutôt bien. C'est intéressant tout ça. Let's go. On est à 15 minutes déjà, ça passe assez vite, je trouve. Je sais pas vous, mais moi ça passe vite, je trouve.
On a pu prendre. Ah, il y a un bouton. Je sais pas à quoi il sert. Palais des rêves ouvert. Vous avez activé le gros interrupteur donnant accès au palais des rêves sur la carte du monde. Ok. Ok, il est. Oh, un niveau. À mon avis, on va aller en extérieur parce qu'il y a le truc. Quand la partie se termine, Scarbu est battu alors qu'il n'a plus de. Aucune Kirby en réserve. Bah, il est mort. Ah, bah. On a fini, mes amis, le niveau. Bon, il était plutôt court. Je pense qu'on va faire un troisième niveau et après on s'en arrêtera là. Mais d'abord, on va aller voir ce qu'il y a au palais des rêves, là, comme on l'avait vu. Allez, jeu de fin d'étape. Bon, on a le 2, ce n'est pas trop grave. C'est déjà bien, je trouve. C'est déjà bien, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est déjà bien. En plus, on a eu 9. On a eu 9 pièces de puzzle. En plus, on progresse bien sur le premier déjà. C'est plutôt bien, je trouve. Pour reconstituer des tableaux commémoratifs. Ok. Mais. Mon mielleux. Ok. Je pense qu'on va, on va d'abord aller au palais des rêves pour voir ce que c'est exactement. Le palais des rêves ouvre ses portes. Vous pourrez croiser des personnages légendaires. Ok. Allez, on va aller voir ça, mes amis. Après, on essaiera de faire le troisième niveau et on s'en arrêtera là. Ça fera un bon épisode. C'est quoi ça? Bienvenue au palais des rêves, utilisez une baguette de rêve pour rencontrer un ami de rêve. Alors, on démarre quand vous prenez la baguette des rêves, appuyez sur A pour appeler un ami de rêve. Oh, ok. On a pris lui. Ah oui, c'est Goei. C'est les personnages que. Ouais, non, on va rester avec notre truc simple. Ouais, en fait, c'est. En fait, c'est un endroit où tu peux choisir tes personnages. Mais j'ai pas envie. Donc du coup on va aller faire le niveau 3. Mon mielleux. Et après on s'en arrêtera là je pense. On aura fait un bon épisode. Mais après tout dépend s'il est rapide ou long le niveau. Let's go. Voilà. Oui. Fushkin. Franchement j'adore. Ah mince, on a gardé le rocher malheureusement. Mais zout. Je voulais allumer ma flamme. Ah mais voilà aussi. Regarde, attends. On va retirer lui. C'est tout? Ok, c'était juste pour ça. Bon, c'est pas trop grave. Mais on va continuer, mes amis. Tranquille, ça fait plaisir. Oh, il y a un truc. On voit deux, je sais pas ce que c'est. Allons-y pour découvrir ce que c'est. Oh, ah, ok. Pièce de puzzle, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, je trouve. Hop, allez, go, continue.
Oh, oh les skis font un feu. Ah, il va être tout fouet. Je fais du haut. Avec Yo-Yo, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort bien, je trouve. Oh my god. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer, mes amis. On continue. Hein. Allez, hop. Alors, ça sort bien. Hein. Il y a quoi du coup? Ok, il y a une porte. Un peu secrète, on va dire. Alors, il y a quoi? Ah, ok. Ah, pour l'interrupteur, ok. Eh ben, c'est nickel tout ça, mes amis. Étape bonus débloquée. Vous avez activé un grotteur donnant accès à une étape bonus. Ok. C'est cool. Bon, allez. Allez, on continue, mes amis. On va faire la suite de ce niveau. Ah, attendez, il y a un truc. Quoi ça? Dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Yes. Ah bah ça va, nous avons fini, mes amis, l'étape. Bah, c'est plutôt... Bon, ça va, on n'a pas... C'était pas long, donc c'était plutôt... C'est plutôt bien, ça va. Bon, deuxième, bon, ça va. C'est plutôt correct. Et du coup, on va s'en arrêter là pour l'épisode numéro 1. Donc, dès qu'il n'y a plus d'animation et tout. Bon, ça, on progresse bien pour ce tableau. C'est plutôt bien. Du coup, on a eu des trucs spéciaux. Et ça va, on monte bien pour ça. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Alors. Donc, l'étape bonus, elle se trouve en dessous. Forêt, fruit. Oh, l'arbre. C'est l'arbre, je le reconnais. Biscuit bonus. Ok. L'étape bonus est maintenant disponible. L'aventure continue, évidemment. Elle continue l'aventure. Et du coup, mes amis, c'est ici qu'on va s'en arrêter là pour ce premier épisode du Let's Play sur Kirby Star Allies. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Bon, la question du jour sera posée en commentaire, donc vous pourrez y répondre. Donc je ferai des épisodes entre 20 à 30 minutes, ça dépend de ce que je vais faire durant les épisodes, donc voilà. Et du coup, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner, de me dire ce que vous pensez de ce début d'aventure. Et si vous êtes content que je fais ce SP sur Kirby Star Allies, et moi, mes amis, je vous dis... À dimanche prochain pour la suite de ce Let's Play. Et surtout, mes amis, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Quentin. Bye tout le monde.